J'ai acheté 10 boîtes Mystère Pokémon pour voir si je peux être rentable. J'ai donné à mon équipe plus de 1 500 € pour me confectionner les meilleures boîtes mystères de Pokémon. Et vous allez voir que la dernière boîte est juste choquante. Je vous fais gagner les shiny de la nouvelle série. T'as juste à t'abonner et écrire un petit commentaire. Donc ils m'ont dit qu'ils ont tout mélangé et il y a une grosse surprise à ce qui paraît dans la 10e. Et il y a même une surprise pour vous, ça va être dingue. Ça donne envie de tricher et d'ouvrir le gros pactole à la numéro 10. Mais on va commencer tout de suite les amis avec la numéro 1. Let's go! C'est une dinguerie, on commence avec la numéro 1. Alors déjà, on a ici les gars une première enveloppe, ok, et ouais, une petite Pokébox Flamigator X, petite Pokébox les amis, je la kiffe. Alors on en a aussi sur Karyu et vous allez voir que les boosters sont vraiment bons, super item. Alors on commence avec la petite carte X, on va voir un Flamme Obsidienne, deux Flamme Obsidienne, un éclat TV et surtout un Starlet Instant. Je trouve que c'est des bons boosters. Alors peut-être que le EV1 est pas très apprécié. On va ouvrir plus de 100 boosters 4.5. J'espère que vous allez être chaud et on va essayer de compléter la série au maximum. Alors attendez, c'est parti pour ce premier booster EV3, est-ce que ça va être Jason? Attention les amis, rien du tout ici. Et c'est Jason avec Scovillain. Eh, j'aime trop les concepts de boîtes mystères. Alors j'aime bien quand c'est mon équipe qui fait les boîtes mystères. Et eux au moins ils savent ce que j'aime. Donc on se retrouve souvent avec des gros bangers. Et pour l'instant, bon, c'est pas non plus la folie, on va pas se mentir, hein, cette première boîte. Rien du tout, et là peut-être quelque chose. Et là peut-être quelque chose, ça brille bien. Full art les amis, 226. Oh là 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 là, sur EV1, ça peut être quoi? Coraidon, Miraidon. Oh, Magnezone X. Magnifique, franchement, incroyable. Vraiment beau, hein, ça fait plaisir. Allez, d'un coup, feu alternatif, c'est le moment de sortir ton feu, là. Il faut que tu sortes un peu tes flammes, mon frérot, parce que là, on en a archi besoin. Allez, on fait pas de tri, on y va direct avec Starry, Carabing, Mélofée, Ceribou, Caraclé. Attention, les amis, derrière, c'est ma... Non, aïe, Manaphy. Bon, on continue, c'est la première avec cette petite enveloppe. Comme ça, vous pouvez mieux voir. Qu'est-ce qu'on va avoir dans cette petite enveloppe? Attention. Oh, on a Lumière Interdite de Soleil et Lune. Donc ça, c'est une très 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 jolie série, les gars. Il y a de très jolis hits. La display, maintenant, elle vaut presque 600 à 700 euros. Ça a explosé en cote. Et un Tempête Argentée. Bah écoutez, on se fait le Lumière Interdite pour la fin. Bon, mettez-moi une note sur cette première boîte. Pour l'instant, boîte assez sympa avec des boosters sympas et surtout un petit croquant avec ce booster Soleil et Lune, Lumière Interdite. Voilà, est-ce que tu serais content? Je sais pas. Je pense que ça va. Voilà, je pense que ça va. Oh, let's go! Le Roucoule qui tombe! J'ai de la chance hein, sur EV3. C'est l'une de mes séries préférées. Vous le savez, avec tous les Dracofeu que j'ai pu sortir dans les dernières vidéos, c'était incroyable. Bon, ok. Le booster, il est magnifique. Ça donne même pas envie de l'ouvrir. Je sais pas si vous voyez un peu la qualité du booster. Il a pas un défaut. Bon, c'est pas grave, on y va. Allez, les gars, sur Lumière Interdite, c'est les anciens codes. Alors, ici, sur Soleil et Lune, c'est aussi 1, 2, 3, 4. Et on est parti. Allez, énergie obscure, Igolta, faites-vous plaisir. Ah, ça fait du bien d'ouvrir un peu d'ancien. C'est pas tous les jours que j'ouvre ça. Pandespiègle, Grelasson, Lepidonil, Mucuscule, en reverse, on va voir Créelf. Et qu'est-ce qu'on va voir derrière Créelf? Attention les amis, ça brille bien. Ah, bon, c'est Jason. Et ces petites reverse, ça cote de plus en plus, hein, les petites reverse comme ça de Soleil et Lune, parce que bah, c'est pas non plus facile à trouver. Voilà, très très joli quand même de récupérer ce petit Créelf dans ma collection. Première boîte validée, on passe à la deuxième. Mais les gars, comment on va faire? Regardez toutes les boîtes qui nous restent à ouvrir, c'est une dinguerie. Vas-y, on est parti. Pour la deuxième, c'est un petit carton comme ça. Let's go. Eh, franchement, on a bien rempli là chez Karyu. Oh, 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 let's go. Allez, deuxième petite boîte. Là j'ai poussé le concept jusqu'au bout. Les youtubeurs, ils ouvrent une boîte. Moi, là, je vous en ouvre 10. Oh, 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 oh. Ah, ils m'ont régalé, bon ça je vais pas ouvrir. J'avais parlé de cette box et du coup bah j'en ai dans ma collection. Et bah franchement je suis trop content qu'ils... Non, ils m'ont fait plaisir, franchement ils m'ont fait plaisir parce que ça se sent. Je suis archi content d'en récupérer une. Alors c'est un item où en fait vous allez avoir quasi tous les boosters EB. C'est un item qui est exclusivement anglais, qui est jamais sorti en France. Magnifique box et qui est pour moi une box archi sous-cotée sincèrement. C'est dommage, ils auraient dû me la cacher pour la surprise. Et on passe maintenant à l'enveloppe, c'est des boosters sur l'enveloppe. Oh, les boosters, on va donc récupérer un épée et bouclier de base avec cette magnifique illustration de Loclaz. Bon, un style de combat, pourquoi pas. Voltage éclatant et encore un EB classique. Oh, magnifique. Alors, les EB, on n'a jamais grand chose dedans. J'avoue que j'ai peut-être les gardé. Ça me permet de garder un peu scellé dans ma collection. Je suis un gros collectionneur de scellés, vous le savez. Bon, on va faire ça parce que EB classique, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, malheureusement. On est parti statistique, Pijako, Salamèche, Medjena, Chidoubé, Miaouss, et attention les amis derrière sur Voltage Éclatax. Et c'est vraiment Éclatax avec ce Yann Mega. Franchement, ça fait pas plaisir. Les styles de combat, bon, j'en attends rien de style de combat.
C'est les sous-cotés un petit peu quand même, parce qu'il y a quand même de jolies alternatives, mais les taux drops sont tellement catastrophiques, je peux vous assurer qu'on va rien avoir ici, j'en suis quasi sûr. Ouais, Kibiki, t'es un peu défaitiste, mais t'as raison. Et ouais, je vous jure que c'est ça, là on pourrait dire Kibiki, Kibiki, ils ont pesé la box et tout. Non, les gars, je fais quand même confiance à mes frérots. Bon, sous ce Zacian, ok. Oh, mais les boosters sont trop bons, regardez la qualité. Cette deuxième box, bah, elle était mieux que la première en vrai. Cette deuxième box était mieux que la première parce que cet item est quand même ouf, hein, l'item Zacian là, c'est très 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 beau. Allez les gars, on espère avoir quelque chose. Oh, vous avez vu l'illustration de ce Pikachu. Je m'attends pas assez sur les communes je trouve, alors que franchement, ils ont fait un taf de malade sur les communes. Et attention les amis derrière, Fermite, malheureusement. C'était pas dingue, on est en train de se faire Jason de ouf, mais heureusement que maintenant on passe à la troisième boîte. On dirait pas que je suis devenu un padre du rap game là, avec toutes mes boîtes pistères. Allez, c'est parti pour la troisième. Mais comment on va faire là? Regardez, on s'ouvre la troisième et la quatrième direct ou quoi? Parce que sinon on va jamais s'en sortir. On passe à la troisième box tout de suite. Troisième petite boîte les gars, c'est parti. Ouh, ça m'a l'air un peu maigre. Alors je pense que ça cache un item, du coup on va ouvrir en off comme ça. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il y a un item tout le temps à la fin. Alors, petite enveloppe, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Oh, c'est des cartes. Ok, c'est des cartes. Ouh, des cartes japonaises en plus. Ok, ok, on va les découvrir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir du coup, ces petites cartes japonaises? Hop là. Regardez les gars. Bon, la carte a rien, j'ai l'impression. C'est lui que je... Non, on va retourner comme ça. Voilà, on va retourner comme ça. Donc, première carte japonaise qui est un petit peu abîmée. Oh, let's go! Dracolus X d'espèce Delta. Incroyable! Pendant longtemps, j'en achetais beaucoup. Je me rappelle, je les revendais, j'en rachetais et tout, parce que pour moi, c'était une carte archi sous-cotée. On pouvait la trouver hein, sur Card Market, je vous jure, à 10€. Mais maintenant, ça a explosé. Ah, ça, je suis trop, trop content. Bon, j'en ai plusieurs, forcément, dans ma collection. Vous savez, mon amour pour Dracolos. J'en ai franchement très, très bien. Magnifique, les gars. Oh, petite carte GX en tag team. Ok, d'accord, bon. Ça vaut pas super cher en japonais, en vrai, à part certaines qui sont quand même archi bien. Ça, c'est cool pour commencer sa collection. Vous voulez un peu de vintage, le japonais va vous offrir ça. C'est trop bien. Et là, on a une carte qui est un petit peu abîmée, donc quand c'est abîmé et que c'est du français, souvent c'est bon signe, c'est-à-dire que c'est un peu vintage. Magnifique. Magnifique ce Metalos. Très 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 beau. Non, ça c'est le plus beau, c'est ce qu'on a fait de plus beau chez Pokémon les gars. Non, vraiment cool, ok. Bon, c'est trois petites cartes les gars, vachement cool. Eh, ça nous augmente notre nombre de hits, hein, quand vous regardez, on a des hits ici, on a ça. Bah, pour moi les gars, déjà, à chaque fois ça monte, hein, chaque Mystery Box monte encore. Les gars, regardez, il y a que des enveloppes. Allez les amis, on va faire celui-là du coup. Et oh, c'est les boosters les amis, je les sens. Je vous cache les boosters. Bon, on a vu, c'est du voltage éclatant encore une fois. Ok, bon, déjà qu'on ait des belles cartes. Alors, voltage éclatant, encore un EV1 et encore un EV1. Ok, bon, pourquoi pas. Regardez tout ce que j'ai comme commune les gars. Vous avez pas honte? Vous avez pas honte, mon Poké Company? Bon, c'est normal, tout le monde pète un plomb dans ce hobby. Tout le monde pète un plomb. C'est parti pour ces magnifiques cartes. Alors déjà, c'est que du français. C'est que du français. On commence avec la première. Oh, incroyable, magnifique les amis, ce méga Rayquaza X. Alors je sais pas c'est quoi l'état. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Ah, on a un petit point là quand même. Mais la carte est magnifique, dans un état exceptionnel. On est sur de l'excellent plus plus hein. On va frôler le Nirmite malheureusement à cause de cette petite bavure. Ça arrive beaucoup hein, sur ce set, c'est pour ça que c'est très dur d'avoir des bonnes notes. Si vous êtes des PSA 10, des PCA 10 dessus, c'est génial parce que c'est très très dur en vrai sur ce bloc. Magnifique. Bon, c'est pas l'une de mes cartes préférées, c'est pour ça que je suis pas non plus enjolivé. Mais très très beau hein. Je suis grand fan de Rayquaza, donc ça fait plaisir. Prochaine carte. Oh, let's go. Aïe 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 aïe. Bon bah ça les amis, en tant que... Ils ont fait exprès, hein. Franchement, vous allez en voir du Dracolo, vous allez en bouffer. Oh, c'est trop trop cool. Trop trop cool, trop trop cool. Ouais, quasi Nirmite aussi, hein. Je pense qu'on est pareil avec ces petits. Donc, on ira peut-être chez PSA pour voir combien on va avoir. Dites-moi un peu, vous pensez que je vais avoir combien. Ensuite, Mimiki VMAX. Magnifique carte, ça, de EB9. Ça, c'est des cartes qui sont un peu sous-cotées, on va pas se mentir. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est des cartes qui sont très très belles. Je l'ai chopé d'ailleurs dans un short il y a pas longtemps. Donc, ça me fait une petite double. Celle-là sera gagnée du coup. Ouais. Et enfin, le Pikachu X. Oh là, non, il me régalait. Bon, c'est la meilleure. À chaque fois, on a monté, à chaque fois on a monté, à chaque fois c'était mieux que l'autre. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici les amis, on est parti tout de suite. Oh, ok, donc des petits boosters et les petites briquettes. Je pense qu'à garder scellé, c'est magnifique les gars. On en a reçu encore un tout petit peu en plus chez Caribou. Elles sont juste derrière moi là, je sais pas si vous les voyez. Voilà, elles sont juste derrière moi, on les a reçues. Donc très très cool, et puis ça nous permet de faire une petite pub sur Caribou. Donc je pense qu'ils ont fait exprès pour faire la petite pub. Mais c'est normal les gars, c'est aussi le jeu. Donc si vous avez envie de récupérer ces petites briquettes, bah n'hésitez pas à me dire. À l'intérieur, bah en fait vous allez retrouver des cartes promotionnelles qui valent quand même un petit billet. Et surtout des boosters EB. Donc il y en a deux, et les deux c'est le même contenu sauf les promos qui changent, ok. Une petite trousse de rangement là, Léviator.
l'histoire elle est trop trop belle, franchement. Et à l'intérieur, plein de boosters. Donc je me rappelle qu'à l'époque on était déçus parce qu'il n'y avait pas d'évolution céleste. Une OTB. Donc en vrai, en termes de booster et de promo que t'as, c'est un bon item. Sincèrement, c'est un bon item. Juste dommage qu'on n'a pas eu de voltage. Et voilà tous les ordres du boss qui sont vachement cool. Donc là, on est vraiment sur une box où on va beaucoup ouvrir. Voilà, c'est une box full booster. Donc on va se les faire en bloc, les gars. Voilà, regardez, origine perdue, astre, évolution céleste. Ah ouais, non, là, regardez là, la tonne de boosters qu'on a. Moi, je dis, les gars, il faut qu'on profite. On a encore plein de box à s'ouvrir. On va s'ouvrir tout ça en bloc. C'est parti. Il y a tout qui a été ouvert, c'est parti. Regardez-moi ce bloc. On dirait que tu donnes une superstar. Allez, pour cette quatrième box. Oh là 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 là. Et c'est parti, les gars. Ouverture en bloc. Ok, rien du tout sur ce premier booster. C'est sûr que des fois, je fais coller des cartes, les gars. Je suis désolé. Oh, les amis, promis. Avec ce Migalos AR. Très, très, très joli. Joli TG de Star Étincelante. Avec une petite holo. On continue ici. Rien du tout. Attention ici derrière. Rien du tout. Avec les arcanins. Deux issues. Ok, ok, les gars, on continue, ça fait stresser, et encore rien du tout avec le Quillfish. C'est chaud pour l'instant, c'est un peu la clim. Alors, on aimerait bien avoir une grosse carte, ah là là, si aujourd'hui j'ai pas une grosse carte, franchement, je vais pleurer. Oh là là, c'est chaud. Oh, c'est chaud, regardez, le bloc, il s'est déjà bien vidé. Allez, les gars, s'il vous plaît, un petit truc. Aïe, ça veut pas tomber, les gars, s'il vous plaît, wesh. Non, c'est terrible ce qui est en train de se passer, les gars. C'est quoi ça? Aïe, 10 boosters presque. Qu'est-ce qui m'arrive, les gars? Oh, une holo d'Absol. Oh mon dieu. Oh là là, Kibiki a encore frappé. Mon dieu. Oh, 3 petits hits pour presque 10 boosters. Ça, c'est chaud. T'imagines le gamin qui ouvre ses 10 boosters comme ça, il a rien. Oh. Après, c'est ça, c'est le jeu, hein. Mais là, aujourd'hui, là, ça fait déjà beaucoup. Je sais pas on a combien de boosters pour ceux qui ont goûté. Mais il faudrait voir mon taux de drop, là. Il est tendu. Les gars, c'est bien lourd. J'ai l'impression qu'il y a un petit coffret à l'intérieur. On va l'ouvrir comme ça. Donc, il y a une enveloppe. Alors, ouah, l'enveloppe, elle est balèze. Je pense que c'était des tripacks. Et vas-y. Je vois, j'ai... Oh, il y a une deuxième enveloppe. Les amis, ah, je vois l'item qu'il y a en plus. Il y a une deuxième enveloppe, mais surtout, il y a un coffret exceptionnel. Regardez la famille. On va s'ouvrir les deux enveloppes. Je vous jure que je suis comme un gosse. C'est l'une des plus grosses vidéos de la chaîne. Franchement, incroyable. Oh là 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 là. Direct, regardez-moi ces petites cartes-là. Oh, Mewtwo Gold. Genesec Alternatif. Carte sous-côté. Elle a baissé en valeur, les gars. À l'époque, ça allait... presque 50 balles. Je crois qu'aujourd'hui on la retrouve à plus de 20€. Pour une carte qui est aussi belle, franchement c'est honteux. Bon, elle est en anglaise. Ouais, ça par contre c'est un peu relou, elle est en anglaise, ça c'est dommage. Oh, le Pikachu Full Art de Star Étincelante, très très joli. Magnifique de Zenith Suprême. Oi. Oh, Zenith, ils nous ont pondu des dingueries. Bon, je sais pourquoi ils ont mis du Zenith. Parce que bah, j'ai vu le coffret, hein, vous l'avez vu le coffret. À quel point là c'est abusé là sur cette boîte. Même si les boosters n'ont pas été généreux, j'espère que les boosters vont être généreux. Et regardez tout ce qu'on a là, ça fait vraiment grossiste là. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Oh là là, les gars, regardez-moi cette Kishta tripack EVE EB1. Ouh, tripage voltage éclatant, ça a explosé, les gars. C'est devenu super cher comme item, sincèrement. C'est pas du tout accessible, hein. Franchement, je vous dis la vérité, c'est pas du tout accessible maintenant. Donc si vous en avez, bah gardez-les scellés. Je pense que j'ai gardé scellés, les gars. Je vais aussi vous donner de bons exemples. Surtout, vous avez vu comment je drop pas. Ça, j'en achète souvent. Dès que j'en vois en magasin, j'essaie d'en prendre un petit peu. C'est un item archi sous-côté. Juste, j'ai jamais droppé dessus. S'il y a un mec qui a sorti une alternative dessus, s'il vous plaît, qu'il me le dise. Parce que j'ai jamais vu ça. Je vous jure que je n'ai jamais vu quelqu'un dropper. J'ai l'impression que ça n'existe pas. Je vous jure que j'ai l'impression que ça n'existe pas. On commence avec ce premier booster EV2 et puis après évolution céleste. Et puis après on va avoir le coffret exceptionnel. Oh là 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 là, c'est quoi cette vidéo, les gars? Franchement, je vous régale. Oh, il y a quelque chose. Les amis, il y a quelque chose. Enfin, on va avoir quelque chose ici. Je vois que ça brille bien. Ok, c'est sur la dernière. Une petite ex sûrement. Carte ex, les amis, Terra Crystal. Et c'est le TDN ex qui tombe. Allez, évolution céleste, les gars, c'est peut-être le moment de me dire qu'il y a enfin quelque chose dedans. Je vous jure qu'à chaque fois, il n'y a rien. Je sais pas, on dirait que ces boosters, ils sont maudits, je vous jure. Allez, les amis, c'est parti. Soloshi, Teddy Ursa, Barpo, Kignon et... Oh, carte V, ok. Petite Nymphalie. Bon, en fait, il y a tellement d'alternatives et tout sur évolution céleste qu'on a envie d'en sortir une. Mais quand on a une petite V quand même de Nymphalie, on va pas se plaindre, c'est toujours super cool. Il est là, les gars, regardez-moi ce coffret exceptionnel. Alors ça a explosé encore une fois. Je sais que j'arrête pas de dire exploser. Kibiki, tu saoules à chaque fois, ça explose. Mais vraiment magnifique item avec la Full Art de Zamazenta en shiny. Et en fait, t'as énormément de boosters Zenith Suprême. Sûrement l'une des séries que j'ai le plus adoré, hein, la fin de ce bloc épée et bouclier. Ah, c'est dur de faire ça. Ça me fait du mal. J'aurais préféré le garder scellé. La Full Art, magnifique.
La figurine, elle est trop belle, franchement. Les petites sleeves aussi. Et on est parti. On s'ouvre tout en bloc d'un coup. Ça va être exceptionnel. Le stress va monter. C'est parti. Méga pack Zenith Suprême, les amis. C'est parti. Regardez encore une fois. J'espère qu'il sera meilleur. 11 boosters en quelques minutes. C'est parti. Oh, vous voyez que ça brille bien. Vous voyez que ça brille bien déjà. Oh là 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 là. J'espère qu'on va être... Oui. On commence déjà à être régalé avec ce magnifique Dracaufeu radieux. Zenith Suprême, c'est l'une de mes séries préférées. Attention, oh bah écoutez, on va être directement. Oh, il y a une gold. Il y a une gold. Dites-moi si j'ai la tête. Oui. Arceus Vestor Gold. Oh là 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 là. Et en double hit avec le Motisma. Enfin les amis, on a un peu de chance. Incroyable. Bon bah c'est bon les gars, je suis content, on a bien fait de l'ouvrir. Les ouvertures en blanca avec le Salamanc. Un double hit avec le Duralugon V. Non, Zenith Suprême, les gars, c'est tellement sous-côté. Oh, ça brille encore avec du radieux. C'est quoi ce coffret de dingue, les gars? Ça brille ici. On y va tranquille, on va la découvrir, l'alternate. Allez, maintenant. Raikou? Eh oui, le Raikou qui tombe. Incroyable. Non mais c'est quoi ce coffret, les amis? Bon, je pense qu'on aura rien après, parce que là, c'est pas fini, les amis, c'est pas fini. Avec le Tilton. À moi qui me plaignais des taux de drop, là, j'ai rien à dire sur... Il y a encore. Il y a encore, les amis, là, vous le voyez, il y a une full art encore. Il y a une full art encore, il y a une full art encore. Mais non. Et le Drascor. Oh, yo, yo, mais ils sont cheatés. Ils sont cheatés, ces coffrets, mon dieu! Oh là là, regardez les amis, sur ce coffret, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hits. Et c'est pas des petits hits, incroyable! Ah non, je suis trop content de l'avoir ouvert. Limite, je regrette de ne pas avoir pris mon temps et d'ouvrir booster pas booster, parce que là, c'était un truc de fou! C'était quoi ce truc de ouf là? Ah là, c'est du Pokémon comme on aime, hein. Là, c'est du pur passion, là, c'est de la grande vidéo qu'on aime. C'est très rare, les amis, que je fais ce genre de vidéo, parce que... Oh, ça coûte très cher, hein. Je vais essayer de le faire peut-être une... On est maintenant, les amis, à la numéro 6. Eh ouais, les gars, il nous en reste encore plein. C'est une dinguerie, regardez, je suis rempli de carton. C'est mieux que je vous montre direct le carton, en fait. Mais non. Ah, ça, j'ouvre pas, je suis désolé, les gars. Regardez ce que j'ai. Des coffrets évolution incroyable avec le Entei ici. Voilà, ça, c'est magnifique. Le Tokoriko. Alors ça aussi, hein, ce coffret, à chaque fois, il était disponible en ligne, il est reparti et tout. J'ai pu en récupérer. C'est quand on a commencé, limite, la boutique, je me rappelle, avec Karyu. Il y en avait un petit peu. Magnifique. Et ce Zygarde. Alors Zygarde, je sais même pas comment on l'a. Je sais pas, je sais que c'est pas les fournisseurs. Et à chaque fois, il y a une petite évolution dedans. Bon, on est sur des coffrets qui valent au minimum 50 euros, je pense. Mais je sais pas, au total, ça ferait combien. Dites-moi un petit peu, vous pensez que c'est combien? Désolé, la famille, c'est l'une des boîtes les plus stylées, mais je vais pas ouvrir. Parce que ça, j'ai envie de les garder dans ma collection tranquillement. Il y a pas trop d'intérêt à ouvrir ça. Je vais juste perdre mon argent et je J'ai pas envie de jeter mon argent par la fenêtre non plus. Bah la numéro 7 qui est en train de se cacher là juste ici. Ok. Oh simple. On va avoir les amis dedans une TB et une tonne de boosters. Alors niveau booster, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Origine perdue. Un petit Arcette Origine perdue. Bon ça je vois pas trop l'intérêt d'en ouvrir. Lumière interdite, lumière interdite, lumière interdite, lumière interdite. Oh là là, Astre Radieux, ça c'est sûr qu'on va s'en ouvrir. Les lumières interdites magnifiques. Et peut-être que je vais en garder aussi pour vous offrir. Et aussi cette petite ETB EV1. C'est des bons items à garder scellés aussi. Bah écoutez, on va se faire plaisir et on ouvre tout de suite le lumière interdite. Allez, on prend notre revanche. Écoutez, je vais prendre un autre booster, celui qui est en double, comme ça il y en a un petit peu. Avec ce magnifique booster. Oh là 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 là, mais les gars, je suis rempli d'items. La table, elle est remplie. Mais ça fait plaisir. Hein. Ouf, les gars, de vous sortir ce genre de vidéo en janvier. Mais vas-y, c'est le kiff. Franchement, c'est le kiff absolu. Aucun tri n'a été fait. Allez, s'il vous plaît, sur lumière interdite. On n'a pas été régalé sur le premier booster, s'il te plaît. Un truc. Ah là 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 là, Mistigri. Ah, c'est frustrant, c'est frustrant, c'est frustrant, c'est dommage, c'est frustrant. Zenith Suprême nous a tellement régalouze que je peux pas me plaindre, les gars, je peux pas me plaindre, je peux pas me plaindre. Astre Radieux, les amis, il est là, il fait sa sieste tranquille, il a pas envie de nous donner un petit peu d'amour, de nous donner un petit peu de trucs, là. C'est abusé, Astre Radieux. Oh, bah voilà, le petit Heatran. Oh, bah nice, le double hit avec un holo bleed. Tu m'étonnes que les youtubeurs, ils ouvrent pas du Pokémon. Les amis, ça coûte trop cher d'être un peu raisonnable, mais c'est dur, les gars. C'est pour ça qu'on sépare le stock. Sinon, là, j'aurais tout ouvert. Regardez tout ce qu'il y a. Imaginez, je pète un plomb un soir, j'ouvre tout. C'est la fin de Karyu. Regardez tous les coffrets, là. Ils donnent tous envie d'être mangés, là. Manger tout cru. Manger tout cru, là, par Kibiki. Mais vas-y, c'est ça. C'est ça qu'il me fallait. C'est ça, les amis, je deviens fou. Je deviens fou. Je deviens fou. C'est quoi, l'intérieur?
Oh mon dieu. Oh là là, ça aussi c'est magnifique. Ça vaut super cher ça. J'en garde une scellée, l'autre je l'ouvre, on va faire un Shifumi. Si je tombe sur le coin ici, j'ouvre la récente. Si je tombe sur ce coin là, j'ouvre la vintage. Ok, parce que là il y a deux valisettes, une qui est vintage et une qui est récente. Ok, vous êtes prêts? On va ouvrir la récente. Oh, je suis sauvé. Je suis sauvé, je peux garder la vintage. Regardez, parce que dans cette boîte, les amis, il y a du Eclipse Cosmique, des Ténèbres Embrasées. C'est une valisette qui est incroyable, qui est sortie il y a presque un an. Et celle-là, c'est un peu récent avec les petits boosters. On va tout s'ouvrir en bloc, boîte mystère de dingue pour cette 7ème. Du coup, les amis, on a tous ces boosters pour se régaler. Allez, on se les ouvre comme ça à l'américaine en speedrun. Speedrun, les amis, comment on ouvre? On ouvre comment on ouvre? Comment on ouvre? Comment on attendait? Allez, oui, j'ai perdu en mode. Non, vas-y, on profite pas, les gars. Mais quand même, allez, un petit truc là. Oh, le petit ronflex, vraiment stylé. Ça drop, hein? Franchement, ça drop. Allez, les gars, c'est bugué ou quoi? On a un hit à chaque fois. On est déjà à 3 boosters, 3 hits. Incroyable. Depuis le début de la vidéo, je me plains. Mais là, ça remonte bien. Ça remonte vraiment bien. Dites-moi pour vous quel a été l'item qui vous a le plus surpris dans cette vidéo. Et si vous êtes encore. Franchement, si t'es encore là au moment de cette vidéo, franchement, déjà, je t'aime. Et écris dans les commentaires. Moha, t'es moche. Voilà. Comme ça, il n'y a que ceux qui ont la ref qui vont savoir. Oh, ok, ok. L'avant-dernière box, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Attention, les gars. Ok. Alors, on va avoir un coffret Pokémon Go. Et. Non, là, celui-là, faut que je vous le montre en 4K Full HD, les gars. C'est quoi ce coffret de fou, là? Regardez-moi ce coffret incroyable de méga Ténéfix et Tyranocif. Alors ça, je suis désolé, ça restera scellé dans ma collection, c'est sûr. Parce que la promo, juste la promo, les gars, est archi chère. Et je ne l'ai pas en gradé. C'est un coffret, les gars, qui est ouf. Très dur, très dur à trouver. Bah, c'est magnifique. Et le petit Pogo aussi. Bon, c'est pas des coffrets intéressants, je pense que vous n'avez rien à faire toujours. C'était une bonne box, mais je pense que les box d'avant étaient mieux. Bon, allez, venez avec moi, on va aller découvrir la dernière et ultime box de cette boîte mystère. Purée, c'était ouf cette vidéo. Allez là, les amis, elle est énorme, la 10ème boîte, les gars. Alors, qu'est-ce qui m'a mis à l'intérieur? Oh là là, regardez tout ce qu'il y a! Des Pokéballs! Une autre Pokéball! Une UPC Mew! Mais non, mais c'est quoi? Aïe, 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 il a des coffrets Dracolos! Ah, ils ont fait exprès! Bon, ça, écoutez, je vous gâte pour ce début d'année, c'est pour vous, écoutez. Il a même mis des bonbons là, il joue à quoi là? Ça, j'en ai plein dans ma collection avec un éclipse cosmique, deux évolutions célestes. Oh là là. Qu'est-ce qu'on va avoir après dans cette enveloppe? On va la regarder. Oh, et après, c'est que des valisettes. Alors, il y a la nouvelle valisette Miraidon Coraidon. Très, très belle. Hein. Je vous dis que moi, je l'aime beaucoup. La légende brillante, la Evoli et la célébration. Non, alors ça, je suis désolé. Ça reste dans la collection. Purée, c'est ouf. Et enfin, qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique enveloppe? Qu'est-ce que nous réserve cette magnifique enveloppe pour cette vidéo qui était juste astronomique? C'était je sais pas, je peux pas dire le mot, mais un florilège de Pokémon. J'étais juste dingue. Et un booster HS Triomphe, juste exceptionnel. Mon dieu. Oh là 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 là. Les amis, écoutez, je suis obligé d'arrêter cette vidéo ici parce que je pense qu'on va faire une partie 2 où on va ouvrir tous les trucs vintage. Les gars, ceux qui sont restés jusqu'à là, qui ont vécu ce moment avec moi, écrivez dans les commentaires vécu. Voilà, si vous avez mettez vécu et je vous offre, les gars, dans ces commentaires, et bah, dans les commentaires, les gars, vous allez pouvoir gagner ces boosters lumière interdite en non pesé, non trié. Et je ferai la sélection la semaine prochaine. Bravo à tous, c'était exceptionnel, t'as juste à cliquer, juste ici.